بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Un dernier parti, le sujet An-Niyya. Et hier, une cause concernant l'intention qui est accompagnée par un effort, qui dans la langue arabe appelle ça Al-Ham. Alors, l'intention, c'est une décision qui nous fait dans nos l'équerre. Mais Al-Ham, c'est l'intention qui est accompagnée avec un effort pour faire quelque chose. Alors, hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne hier que si un djimon lui fait l'intention pour faire une petite chose, lui fait des efforts, alors si lui fait l'intention et avec l'intention pour faire des efforts, lui pas une récifier lui, lui gagne une récompense. Mais si lui fait l'intention et lui fait des efforts, lui récit réalise lui, lui gagne 10 récompenses jusqu'à 700 fois plus ou bien plus encore. Mais si un djimon, il finit faire l'intention pour faire une mauvaise action, et il finit faire des efforts, veut dire, il finit faire sa ham pour faire une action, et il ne fait pas, alors là, il gagne une récompense pour son abstention, veut dire, il finit arrête de faire, il ne fait pas. Mais s'il fait, il gagne un, veut dire, péché pour sa action qu'il finit faire. Ici, pour nous éviter confusion, frère en islam, dans sa troisième, je veux dire, probabilité, là, un djimoun, il fait l'intention pour faire une mauvaise action, ensuite, il fait des efforts pour faire une mauvaise action. Là. Hier, nous fait une cause concernant un djimoun qui fait l'intention pour faire une mauvaise action, il fait des efforts et il n'est pas réussi à faire. Si on déroule ce contrôle, un djimoun est sorti pour faire l'adultère. Quand il sort, il est allé dans la place pour faire l'adultère, Dimon là pas venu. Alors, qu'est-ce que conséquence? Ce conséquence, c'est qu'il gagne PC sa action. Parce qu'il fait des efforts, mais il n'est pas fait parce qu'il s'est étendu au contrôle. Mais, parallèlement, il y a une autre situation. Si un Dimon fait une mauvaise intention pour faire une mauvaise action, et il fait des efforts pour faire sa mauvaise action-là, mais seulement avant qu'il y arrive le moment pour faire une mauvaise action, par lui-même, il renonce l'action. Deux situations ambiguës. Première situation, un djimon il fait une mauvaise action. Par exemple, quelqu'un il a envie de faire zina, sur l'intention pas bon. Il prend casse de ce poste, l'argent, et il sort, il allait dans place X, une place. Quand il allait là-bas, et fermé, vous avez n'a pas de récit vini. Il gagne PC pour sa action. Deuxième, du monde là, il a envie de faire zina, il prend l'argent, il sortit en chemin, avant il arrive là-bas, au milieu de mai, sur la tête, ça commence à fatiguer, il dit astaghfirullah, il sortit, il est retourné. Ça a dit ça pour cause concernant sa situation. Il gagne récompense pour ça, veut dire abstention, il vient délaisser ça le mal. Pareil comme un hadith concernant sa trois djimoun qui veut dire tu fais péché sa jeune qui tient envie de faire zina, quand il arrive pour faire l'action, ça tu fais l'un djali paye Allah, il renonce zina l'insauvé. Donc si un djimoun il fait une mauvaise intention, ensuite il fait des efforts, mais en chemin il sent solidé, il pas fait il gagne récompense pour ça, veut dire résistance qu'il fait faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dernier partie concernant l'intention, est-ce qu'il nous fait l'intention avec nous l'équerre ou bien avec nous la bouche ou bien tous les deux ensemble.
l'intention nous fait avec nous l'écrire, ou bien, par exemple, nous faisons salat, nous faisons l'intention avant que nous fassions takbir Allahu Akbar. C'est nous l'écrire sur l'intention qui compte, ou bien nous faisons prononcer par nous la bouche. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un grand savant, il dit de ce livre, Al-Fatawa Al-Kubra, un grand livre, Fatwa, il dit qu'il y a un ulama, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque ban Sahaba, dans l'époque ban Tabi'in, dans l'époque les quatre imams, il n'y a aucune place qui mentionnait qui l'intention fait avec la bouche. Il n'y a aucune place qui besoin faire l'intention avec la bouche. Qui veut dire qu'auparavant, tout le monde comprend que l'intention fait avec les kéas. Mais, qui fait aujourd'hui, nous trouve beaucoup, veut dire, beaucoup de divergences concernant sa cise, ce qu'il disait prononcer, pas prononcer, c'est que après, un siècle après, ban ulama de sa ban divergent mazhab, zot fin arrivé, veut dire, mettre ça comme une recommandation. Qu'il y a beaucoup de savants qui finissent après, dans un siècle, veut dire après, après Sahaba, après Tabi'in, après Tabi'in, après ces quatre imams, je finis dire, et il a fini dire qu'il est recommandé. Dans le mazhab Hanafi, dans le mazhab Shafiri, dans le mazhab Ahmad, il y a certains savants qui disent qu'il est recommandé faire l'intention. Bien sûr, l'intention c'est l'équerre, mais il est recommandé qu'il nous prononce les. Alors, fais attention. Ban ulama auparavant, ban a zamin cause l'eau là. Qui veut dire, je ne sais pas si connais, mais ça veut dire prononce la bouche. C'est ban ulama qui finit après, qui finit amène ça, veut dire ça, qui te chose là, qui est bon aussi, ni pas de problème, ni pas de mal, qui prononce avec, veut dire la bouche. Mazhab Hanafi, Mazhab Shafi'i et Mazhab Hanbali. Deuxième, qui Mazhab, veut dire, deuxième Mazhab, encore une fois, certains man ulama dans Mazhab Hanbali et Mazhab Shafi'i, je dis que si un djimoun in fait il est bon, mais si pas fait il est meilleur. Deuxième, premier l'opinion, ça trois Mazhab là, dire, les recommander pour prononcer avec la bouche aussi. Deuxième l'opinion, certains man ulama dans Mazhab Shafi'i et Mazhab Ahmad, je dis que si un djimoun in fait niyat en plus qu'il est fin fait parce que il ne prononce pas sur la bouche, il est bon. Mais s'il n'est pas fait, il est meilleur. Ça, c'est deuxième l'opinion. Par contre, l'opinion de Ban Maliki, veut dire Ban Ulama, qui suivent Mazhab Malik, je dis qu'il prononce l'intention avec la bouche, il n'est pas, veut dire, d'après principe. C'est pour ça que la plupart de Ban Mazhab Maliki, je dis que c'est un bid'a. Alors, donc, qui l'opinion plus authentique là-dedans? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que quand étudier la question de Niyab, il n'est pas raisonnable, il n'est pas make sense qu'un djibon fait l'intention avec la bouche, parce que quand il mange, il n'est pas causé, il dit qu'il mange. Alors ça, divergence là, c'est une divergence qui n'est pas fondée, l'eau veut dire, ban kit chose qui est concret. Pénoken, sauf, ban ulama fin diverser l'eau, la question de Hajj. Ça, ban ulama qui dit, il est recommandé avec la bouche, ou bien, pas de problème avec la bouche, je fais une base, il n'est pas, veut dire analogie, par qiyas, l'eau, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive l'eau miqat, il dit labbaik Allahumma umratan. Alors il dit voilà, l'intention pour la bouche, gagne droit. Mais ben ulama qui dit non, pas gagne droit ça. Je dis ça, c'est pas l'intention ça. Ça c'est, mais on peut officialise, veut dire mot, umra et hajj. L'intention de l'équipe, là, on peut officialiser, là, on n'est pas capable de retourner à ce terme. Alors, donc, il y a divergence entre ban ulama, l'eau, la question de, veut dire, prononce avec la bouche. Mais ça qui est plus authentique dans tout, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah fin dire, qui est l'intention, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais financé nous pour faire par la bouche, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni le aucun ban Sahaba, ni ban Tabi'in, ni les quatre imams, pendant nous. Alors, meilleur, veut dire, qui nous reste loin avec l'intention par la bouche, parce qu'il amène waswasa. Plutôt veut dire, nous restons dans la limite qui l'intention de faire avec l'équerre. Pour ça, frère en islam, nous terminons, nous cisez l'intention et tout bon détail qui nous est capable de causer. Aujourd'hui, frère en islam, un deuxième veut dire cisez, qui demande certaines explications, demande certains éclaircissements concernant doutance.
Allah subhanahu wa ta'ala, péché de Coran, ya yuhalladina amanu jitanibu kathiran min al-dhan. Ô banjibon kina iman, abstenir tant qu'il possible avec doutance. Inna ba'da al-dhanni ithmun. Parce que certaines doutances péché. Certaines doutances péché. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, iyakum wa dhan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mettez-nous en garde contre doutance. Fa inna dhan akdhabul hadith. Parce que doutance, c'est plus pire de ban mensonge. Plus pire de ban mensonge. Alors, doutance, qui veut dire doutance? Tout d'abord. Doutance veut dire, m'offrir une conclusion, l'eau en djimoun, sans preuve. M'offrir une idée, l'eau en djimoun, m'offrir une conclusion, l'eau en djimoun, m'offrir une pensée, l'eau en djimoun, m'offrir une preuve pour justifier sa pensée. Là. Ça s'appelle ça doutance. Doutance, c'est mon pense une petite chose positif ou bien négatif le djimoun sans aucune veut dire preuve. Ça s'appelle ça doutance. En général, il y a trois doutances, trois qualités doutance. Il y a une doutance qui est bon. Mon pense bon veut dire mon trouve un djimoun veut dire pe vin masjid bonia. Tous les jours mon trouve une bonia. Veut dire ça veut dire ça un djimoun qui est très proche avec Allah ça. Mon pas connaître qui est moi. Mais seulement mon pense bon l'audi. Ça, c'est une bonne doutance. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala pandia, ya yuhalladina amanu ijtanibu min al-dhan. Allah subhanahu wa ta'ala pandia, oh banjimun kina iman, reste loin avec doutance. Pandia, inna al-dhan na'ith. Pandia, Allah subhanahu wa ta'ala pandia, qui doutance péché. C'est une doutance péché. Parce que comme on pense, comme on fait une bonne doutance, le anjimun, on a une bonne pensée positive, le anjimun, il n'y a aucun de mal là, au contraire. Nous, musulmans, nous besoin pense tout le temps positif. Nous besoin d'avoir un bon, veut dire penser l'eau tout musulman. Mon pas pense mauvais l'eau musulman aussi longtemps on peine à prévenir. Ça veut dire tout musulman, comme un ulama fin dire. Par exemple, l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, un grand savant, écrit hadith, il dit tout musulman, du moment qu'il y a un musulman, il y a un djimoun dans la droiture, il y a un djimoun honnête pour moi. Mon pas gagne droit. Et n'a soupçon l'oli. Mou pas gagne droit et n'a mauvais pensée l'oli. Jusqu'à preuve du contraire. Du moment qu'il y a un musulman, il y a un djimoun de confiance. Jusqu'à qui, et d'un ban répéer, qui m'ont dit non, m'ont besoin de prendre précaution. Alors, premier type de doutance, c'est ban doutance positif. Parce que mon pétrole, il fait ban bonne action, moi j'ai une pensée qui c'est un bon djimoun ça. Ça c'est un djimoun, veut dire ok. Mon voisin, m'a trouvé tous les 4 heures, il allume sur la lumière. M'a dit, il fait tahajjud, ça veut dire. Alors, donc, une catégorie de doutance, c'est une doutance positive qui bon. On a une deuxième doutance qui est Allah subhanahu wa ta'ala finit en paix nous comme on pense mauvais sans aucune raison. Comme on pense mauvais loin du monde sans aucune raison. Par exemple, on fait une doutance loin du monde sans aucune raison. Moi, par exemple, on paye des bouteilles devant mon apôtre, on trouve que mon voisin, son madame, rentre dans le taux de la pial vite. Je trouve une guette chemin des côtés. Par contre, il peut rentrer, il peut guetter des côtés. Après, il rentre dans le tour, il y a le vide. Hein, allez, moi, il peut faire un mauvais travail là. Ça, haram ça. Pas gagner droit, pense mauvais. Dis-moi, fais une supposition. Dis-moi, fais une supposition. Ou bien, je trouve, sur la lumière, la chambre dormie, mon voisin, tout le temps, les fajars restent noirs. Pas limés. Ça veut dire, pas fait un amas. Son madame, pas fait un fajar. Ça, c'est une doutance qui est haram ça. Parce qu'il a quoi l'eau qu'ils a fait. La lumière, pas de répéter, il n'y a pas de sur la lumière. Il allait, elle fait oiseau, il fait salat, et surtout une madame, tant qu'il est capable, reste veut dire d'une façon plus cassette, meilleure. Alors, je ne parle pas d'inventer des histoires qui n'ont pas fondé l'eau du monde. Je ne pas gagner droit, veut dire, invente ban conclusion qui n'est pas capable, veut dire, justifier. Ça, doutance, là, péché, ça. Inna ba'da dhanni ithmun, certaines ban doutance péché, c'est ban doutance qui n'est pas base l'eau non. Si je me trouve sur la lumière, tiens, je veux dire, ça ne pas faire fajar ça. Ou bien, je veux dire, je ne pas trouver lit dans ma zid, ça ne veut pas faire fajar. Mais il y a dans notre masjid. Alors, il ne faudrait pas que je pense mauvais loin du monde avec une facilité. Donc, ça nous tout connaît. Mais il y a un troisième qui est ben ulama, fin causé en détail dans tafsir, tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Sa'di, concernant si ça de mauvais doutance là, et n'a pas de signe, il n'a pas de repère. Mon pense mauvais loin du monde, basant sur certaines
ban répit qui est là. Est-ce que ça fait moi gagner PC avec Allah? Il fait moi pense mauvais le holi basant le certain ban qui chose qui il fait faire. Ban ulama fin basalo certain ban veut dire tafsir qui par exemple de sourate Yusuf que Yaqub alayhi salam quand son ban enfant fin vini veut dire il dit be akalahu dhib le loup fin mange Yusuf alayhi salam. وجاءوا بقميص بدم كذب فين امين سولينس ان لينس نيف زي سينا دي سان لولا ان بابا فوالا فيجيا فيني يوسف ان مو كي فيجيا بابا لا فين فيها بابا لا جيا بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل سا فيجيا لان كي تشوز كي جوت انفونتي سا با فري سا بابا لا باسي لا بالي بابا لا باسي لا بالي. Basant le quoi, les filles n'ont doutance, l'eau veut dire parole de ce bon enfant, et n'en répète, un le loup pas capable de manger un enfant sans qu'il décide sous l'aise. Quand un le loup veut dire, il attaque, il dévore un enfant, sous l'aise, il a décidé, mais comment capable, le loup de manger, le loup il tient ce bouton, il tient sous l'aise, il met là après de manger. Ça veut dire, papa là, il refuse pas accepter parole de ce bon enfant, les filles n'ont une doutance, l'eau, véracité de cette parole. Basant le répère. Qui répère? C'est que ça veut dire ça le loup là pas capable de manger un enfant et sous l'aise chose une doute zut. Est-ce que ça doute en cela PC? Pas PC. Qui fait un répère faux? Qui montre nous qui et n'a certaine doutance? Moi pas douter moi. Moi pas invente doutance. Moi pas le rôde doutance. Mais parfois Dimoun fait moi doute zut. Si Dimoun n'a pas fait une façon qui finalement me permet doutance dans mon lit. Est-ce qu'il m'a gagné PC? L'idée panne. Si il peut faire moi doute li basant le ban repère ban facteur qu'il peut associer avec ça avec sa doutance là, alors on pas coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors pareil comme ça même dans Yusuf alayhi salam avec sa madame qala hiya rawadatni an nafsi. Michel a pas connu li qui ne passait entre Yusuf alayhi salam et sa madame, pas connu li madame là pierre qui Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam dit non li qui commence ça peine à repère. Alors, qui dit pour faire là? Mais il pense bon pour son madame, il peut dire Yusuf alayhi salam. Là, ça t'y va, là qui dit, in kana qamisuhu quddamin qubulin, si ce linge fin déchiré par devant, fa sadaqat, une cause vraie. Wa huwa min al kadibin, Yusuf alayhi salam, il mentir. Wa in kana qamisuhu quddamin dubur, si ce linge fin déchiré par derrière, alors qui arrivait, fa kadabat, madame là, il mentir, wa huwa min al sadaqin. Alors quand Michel a fin trouve l'inza fin dessier, fallait mara qamisahu qudda min dubur. Quand il fin trouve ce l'inza, madame la solaise, Yusuf alayhi salam solaise fin dessier, pas derrière, qala innahu min kaydikun. C'est, veut dire, zut, vous pouvez trouver qui toi qui la faute là. Mais ça n'est pas tila li. Il peut y avoir yakin li. Il fin fait ça par déduction. Déduction quoi? Veut dire que si vraiment tu es innocent, tu l'inza si vous dessier pas devant. Ça c'est un repère qu'on appelle ça karina en arabe. Mais à cause de ceci, pas derrière, je prends ça repère là pour me justifier mon doutance qui toi-même la faute. Toi-même qui est coupable. Mais il n'est pas là, il n'est pas trouvé. Alors sa doutance là fin vient confirmer par sa repère. Donc c'est pour ça que ben ulama me dit que Njimon, parfois arrivé, nous paye. Je me pense mauvais l'eau. Je trouve un. Un djimoun qui pas travaille, me trouve lui, me dire dans l'air. Par exemple, me trouve un djimoun in vin damasjid. Quand il finit venir, me connaît les sommets, me connaît les peines à rien. Me trouve dans et me connaît sur la vie pas bon. Me connaît sur la vie pas bon. M'entendez, me dire sur la vie pas bon. Parfois, me dire il peine djimoun honnête. Moussali, un moussali sur cabane piadi. Tiens à l'argent là-dedans. Quand on peut marcher, on peut aller, on trouve de solamé un porte-monnaie rempli de l'argent. Qui veut dire? Non, on n'a pas le droit de doute du monde. Haram ça? Ou bien on dit non. Eh, bah, Reza, vous connaissez, on trouve ça du monde là, là, il y a l'argent, il dit pourquoi il y a une coquin? Est-ce qu'il me fait rire là? Est-ce qu'il me fait rire? Non, pas me fait rire là. Qui fait? Parce que sa doute en cela, il est supporté par une raison valable. Ça du monde là, il est sommé, il est pénacasse. Et je connais un djimoun qui n'est pas honnête, sur la vie pas droite,
un moussali il peut pleurer, il crier, il a tout ce casse, il a deux types de raquettes, il peut dire d'un kaba couleur noir et m'autre ça va être un kaba couleur noir. Ça c'est une petite chose qui peut aucun mal là-dedans, veut dire qu'ici arrivé ça doit en s'en de moléquer pour pas faire rire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Même masla d'une autre façon à se dire, moi musulman, moi croyant, nous nous croyons inshallah. Alors est-ce que nous gagnons droit laisse dimoun doute nous? Est-ce que nous gagnons droit? Nous trouvons qu'il parfois doutance est capable de venir involontairement. Nous capable invente pas de doutance qui pas gagne droit. Parfois doutance capable venir dans mon la tête basant la façon qui vous peut comporter tout. Nous trouvons. Par exemple, ben dire nous avons un moins vente doutance qui pas gagne droit d'après l'islam. Deuxième doutance ou faire moi doute où? Par ban quelque chose qui vous fait, ban action qui vous fait, ban comportement qui vous finit là. À ce moment en tant que musulman, est-ce qu'il m'a gagné droit les dix doute moi? Je dis, il y a une fois la connaît. Il y a beaucoup de gens qui font ça erreur. Ils n'ont pas gagné trois quatre dix moi. Une fois la connaît, je veux dire mon équipe propre. Est-ce que comme ça que l'islam fait montrer nous vivre? Non. Allah subhanahu wa ta'ala connaît mon sincérité. Mais seulement, moi n'a pas gagné droit les dix doute moi. Mon besoin protège moi qui m'a pas les dix doute moi. M'a pas les dix doute moi. Ça c'est un devoir islamique. Et dans l'histoire qui ben Olama racontait concernant Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, pendant ce voyage, un volait un coquin sur la monnaie, sur l'argent. L'un récit trappe le volé là, il fin prend l'argent sur un navire. Une histoire, là connaît comme est vrai, mais l'exemple là-dedans est joli. Alors, l'un récit prend sur l'argent, volé, j'ai moi pour crier, moi j'ai un coquin, mon l'argent. J'ai moi pour crier. Pour faire dire que vous êtes un coquin, ça veut dire que c'est un genre qui Imam Bukhari qui est un coquin. Imam Bukhari qui fait une prochaine leçon, c'est de l'eau. Qui fait? Qui lui dit c'est 100 dimoun, peut-être 90 capable, 99 dimoun capable croire moi qui est innocent, mais peut-être un dimoun capable croire moi qui volé. Alors il dit ça, il n'empêche dimoun pense mauvais l'eau. Ça c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples. Qui est un musulman, il n'a pas gagné droit, veut dire. L'esban du monde pense mauvais et l'y servit comme une thèse, une fois Allah contre moi. Non. Nous devons vivre sincère avec Allah, mais en même temps, nous devons pas laisser du monde pense mauvais le nom. Parce qu'Allah donne nous une faveur qui nous musulmans, nous gagnons sa qualité qui, d'office, nous un du monde honnête. Sa cadeau là. Réputation, c'est une faveur Allah ça. Rizat, c'est une faveur Allah ça. Je pas gagner droit à jouer avec l'honneur qui Allah donne moi. Moi, on pas que ça était dans du monde moi. Alors du monde pense ça qu'ils ont envie. C'est un faux raisonnement ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour pendant l'i'tikaf, il est sorti, il est accompagné son madame. Son madame qui vient visiter lui, Safiya bint Huyay radiyallahu anha. Alors quand Safiya radiyallahu anha fin joint ce monsieur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin accompagné comme un bon époux, relation monsieur madame. Fin vient accompagner lui pour lui sortir puis aller dans noir. C'est un sahabi, Ansari, il peut passer dans le noir, il fait la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut causer qu'une madame. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sauvé. Parce qu'il est une père, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire dans le noir avec une madame? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne pas supposé douter lui. Allah subhanahu wa ta'ala protège lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, mais il faut Allah connaître moi. Allah connaître ma sincérité, Allah connaît, je ne peux pas faire aucun erreur. Non, il dit, attends. Attends, ça va bien attendre. Il dit, mon madame ça, c'est madame qui m'a fait causer là, qui dans noir là, mon madame ça. Ça va bien dire, subhanallah, nous avons même dit toi, ya Rasulallah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, inna shaytan yajri bani adam majra dam. Qui, shaytan, le circule dans la veine comme à 10 circule, le circule de l'éco-insan comme à 10 circule dans la veine. Qui veut dire, shaytan, il est là pour mettre du temps dans l'esprit. Je n'ai pas gagné droit les shaitans mettre du temps dans l'esprit de mon frère vis-à-vis moi. Ça, c'est un, l'exemple qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait trouver dans une situation qui un sahaba qui n'est pas supposé faire. Lui. Mais shaitan, il est là, capable de doute vient dans la tête, l'infini protège-lui contre la doute qui dit capable mettre. C'est pour ça qu'Imam al-Khattabi, un grand savant, il dit que ça, c'est une preuve, ce hadith, c'est une preuve qui un musulman il n'a pas gagné droit. Comporte-lui une façon douteuse. Il n'a pas gagné droit à comporter une façon douteuse. Il n'a pas gagné droit à pratiquer une action qui dit monde doute-lui. Et il n'a pas gagné droit à trouver-lui dans une situation qui doutance capable de venir l'eau. Il est bien reste loin avec toute action qui doute.
Libye reste loin avec tout comportement douteux et Libye reste loin avec toute bonne place qu'il est capable de gagner doute. Je ne pas capable de saisir grammaire. Tous les jours, je me trouve, il y a un tel côté de pensionnat. Un coup de bon, deuxième coup de bon, troisième coup de bon. Tu coûtes, mais qui fait coup de pensionnat? Il n'y a pas gagné droit. Libye prend précaution. Quand il débouté, avec qui il est causé, avec qui il peut faire, pour qui il n'y a pas les doutants de l'eau, parce qu'il a une réputation, c'est une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a donné ça. Nous devons garder ça, amanat, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous veut dire en tant qu'un musulman, nous avons l'honneur, nous devons pas laisser nous l'honneur aller facilement avec doutance qui dit, nous ne pouvons pas faire l'eau, nous, pour nous propres, nous veut dire, négligence qui veut dire, nous ne pouvons pas piéger. Voilà hadith concernant doutance, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.